Perrotte. Bonjour. Mon travail, c'est de la pré-gestuelle. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que quand je peins une toile, j'ai toujours une colonne vertébrale. Et après, hop, je ne fais jamais d'esquisse, jamais de dessin. Et c'est, je pars et voilà, je suis influencé par Miro. Ça fait toujours la même écriture depuis des années, avec une évolution normale, quoi, hein. Des couleurs toujours très vives, des couleurs catalanes, espagnoles un peu. Voilà, hein. Donc c'est des jaunes, des couleurs primaires surtout. Après, j'ai une autre écriture, des têtes de taureau, des têtes de personnages. Et là, c'est un peu plus l'inspiration Picasso, mais c'est toujours pareil. C'est toujours à main levée. Et mon dernier travail, la 3D, c'est quelque chose de fabuleux. On y met la main dedans, pratiquement, et on est derrière, vous voyez. Moi, je suis ravi de faire ces salons. Belle organisation, beau stand, 3 mètres de haut. Enfin, bon, voilà la qualité. Quoi. Du public. Le public, beaucoup de public. 35 000 à Paris. Ici, je pense qu'on va dépasser les 25 à 30 000 normalement, comme l'an dernier. Au niveau prestations, je crois que la 3F, c'est le top. Beau travail, en tout cas. Hein. Merci. Et on le fait vraiment professionnellement de plus en plus, tu le vois. Maintenant, vraiment, je pense qu'on est performant parce qu'on a mis ce qu'il fallait. C'est mon amour. Voilà. À bientôt. Et merci. Merci beaucoup. Merci. Vanaja, bonjour. Bonjour. Alors, tu as un univers très onirique. Ça fait plus de 20 ans que je travaille au fil de fer. Une passion pour le fil en général, et c'est vrai que le fil de fer m'a donné cette possibilité de travailler le volume. Donc, moi, j'ai une formation d'architecte paysagiste, et le fil de fer, on l'utilise dans les jardins. Je fais aussi des beaux-arts, et donc ça me permettait d'associer les deux univers. D'ailleurs, dans ce que je réalise, il y a beaucoup d'évocations au végétal. Tu vas même regarder les plantes. Ce sont des plantes rares qui poussent très très lentement et qui vont en fait envahir la chevelure du personnage. Pour l'IA, c'est très difficile de créer des surfaces qui se tiennent. Donc au lieu de prendre du grillage, je préférais le créer moi-même. Et donc du coup, j'utilise le crochet et le tricot pour arriver à avoir ces surfaces. Tu t'es mis à faire des tableaux récemment aussi, hein ? Voilà. Alors ça, c'est beaucoup plus compliqué, dans le sens où je dois coudre dans la toile. Tu as des petites phrases poétiques ? Alors, ces phrases-là sont des phrases que je pioche au gré de mes lectures. Et donc, ce sont des phrases qui sortent du livre, de la page, et qui peuvent être faites. J'aime beaucoup cette idée. Du coup, l'impact public ? Déjà, les personnes sont étonnées de voir ce que l'on peut faire avec un petit bout de fil de fer. Voilà, ça c'est la première réaction. Et certains s'arrêtent devant le stand, un peu bouche bée, se demandant quoi penser, mais avec le cœur qui bat. Merveilleux. Bah, écoute, je te remercie. À bientôt. Okay. Ciao. Merci.